Hop, et ben c'est parfait, on est là. Hop, tout marche à peu près bien. Ah, j'ai un tout petit souci avec les caméras pour le fond vert. On va corriger ça tout de suite. On va passer à... Tac, tac. Et boum, voilà, il n'y a plus de soucis. Hop, ça c'est nickel. Alors, voilà. La manette, qu'est-ce que j'ai fait de ma manette? Ok, elle est là. Tac. Forcément, elle est coincée sous le micro. Voilà, c'est mieux. Bon, on va pouvoir y aller? On va pouvoir y aller. Hop. Continuer. On ferme ça, on rouvre ça. Là. Et voilà, on est bon. Hop. N'hésitez pas à me dire si au niveau du son tout se passe bien. Hein. Faut le signaler s'il y a un problème, c'est. Ce n'est justement pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Est-ce que le Pokéwood peut nous servir à quelque chose et nous donner des bonnes CT, par exemple? Je sais pas. Ok, lui, il a pas fini son maquillage. On s'en fout un peu, en fait. Hop. Toi, qu'est-ce que... Ouais, on range le décor. Moi aussi, j'ai un décor, j'ai pas besoin d'un hangar. Bon, j'ai pas un cinéma, mais quand même. On s'en fout. Je déteste le Pokéwood, c'est vraiment horrible comme truc. Hop. Alors, toi, tu nous donnes quelque chose? Non, et toi? Ok, bon, bah... Oh, toi, tu nous donnes bien quelque chose? Non, bon, ok, on s'en fout. Ok, bon. Eh ben, on s'en fout. Le Pokéwood... Oh, peut-être toi, gamin? Je pense que le Pokéwood, ça aurait été parfait si ça arrivait plus tard, genre à la fin du jeu. Franchement, je pense que ça aurait été bien mieux à ce moment-là. Parce que là, c'est juste chiant. Hop. Alors, attendez, je vais essayer de me replacer un peu mieux quand même, parce que la caméra, je dois la bouger assez souvent. Salut Shadow, comment vas-tu? Ah, voilà. La Neo Team Plasma. Vous êtes qui, la Team Plasma? Eh oui, la Team Plasma, de retour après 2 ans pour vous jouer un mauvais tour. Après avoir été trahi par notre roi, le soi-disant héros, on a échoué dans notre conquête d'Unis. Mais nous n'abandonnons jamais! Jamais! Écoute, moi ça va plutôt bien. J'ai passé une journée un peu à la con où... Mais dans l'ensemble, ça va bien. J'ai réussi à aider des gens avec leurs problèmes informatiques, alors je suis content. Allez, nous sommes de retour avec un vilain tour de plus dans notre sac. Vous allez la fermer? Bande de sales voleurs! Escrocs! Vauriens! Pardon. Vous faisiez semblant de libérer les Pokémon, je vais vous exploser la tronche! Au ranch, on se fait courser par un poncho. Ici, on se fait insulter, charmant. Bah, on n'a qu'à embarquer leurs Pokémon. Mesdames et messieurs, quand vous serez prêts, nous pourrons vous administrer votre correction. Mais on va leur péter le cul. On va leur exploser le fiac. Vos nouveaux plans, là, ils vont partir à la poubelle et vous avec. Putain, cette punchline, là, Bappy, il est chaud. Hein. Putain. Quand j'en aurai fini avec vous, votre boss pourra plus vous reconnaître. Table. On va pouvoir gagner, ouais. Laisse-moi rire, ton équipe, je vais l'utiliser pour notre conquête du monde. Je sais pas ce qu'il va nous sortir, mais... Il va nous sortir du légendaire, là, je le sens bien. Brutapod, non, ça va. En vrai, ça aurait pu être pire. Hein. Hop. Alors, le problème, c'est que je suis pas sûr que Shadow puisse... Ah si, si... Oh, si. Allez, petite guillotine, là. Grondement. Ok. Ah, forcément. Première esquive, allez. Vas-y, refais grondement, c'est bien. Oh non. Ok, j'avais pas prévu la punition, c'est ma faute.
Bon, en même temps, je ne pouvais pas la prévoir, hein, on est d'accord, mais... Hop, allez, petit psycho. Et là, ça devrait être bon. Paf! C'est du one shot. Je voulais essayer de faire en sorte que Shadow le... prenne le kill pour avoir plus d'XP, mais j'ai grid une guillotine en trop. Ces gamins nous mettent une raclée, je ne m'y attendais pas. Courage, fuyons! Putain, quelle bande de lâches. Pff, les sales losers. On split! Prenez la route 20! Si on avait perdu, il devrait embarquer nos Pokémon. Cimer, les petits. Tenez pour vous. Putain, c'est... De rien, c'est R. C'est une CS avec coupe dedans, c'est utile, même en dehors des combats, ça te permet de couper des petits arbres sur le chemin. Bon, on va leur faire la fête à la Team Plasma. Ils sont en route 20, séparons-nous pour mieux les chercher. Ça me fume en vrai, les dialogues. T'inquiète, mec, pas de soucis. J'espère que comment, le fond sonore est agréable pour faire ta vaisselle. Faudrait que je la fasse après, moi aussi, tu vois, t'es pas le seul dans ce cas. Parce que bon, j'ai mis un bon coup de collier dimanche, là, pour ça que j'ai pas stream, mais ça sert à rien si je le maintiens pas après, quoi. Hop. On va capturer un random CS Slave, parce que j'ai pas envie d'apprendre coupe à un de mes Pokémon actuels, là. Hop. Ça ira très très bien. Makuhita, parfait. Regarde, sac. La Pokéboule. Paf. Ah, bah non, ça va pas marcher, forcément. Un joli petit coup de crâne. Ok, il augmente sa défense. Super Ball. Oh là 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 là. Je le sens pas. Parfait! Allez, Makuhita, tu vas couper. Hop. Tintin. Hop, on va l'appeler. CS Lave. Tac. C'est parfait. Ok. Smogo. Bon. Je le mets pas dans l'équipe parce que le CS Slave va changer très souvent et je vais même pas l'XP. Donc. Tu vois, ça fait quoi, Force Nature ici? Canon Graine, ouais. Ok. Hop. Dynamo Point. Très bien. Mais vas-y. Hop, coup croix. T'as pas encore beaucoup de dégâts, Shadow. Hein. Ça va venir, mais pour l'instant. Hop. En tout cas, il a autant de chance que moi avec les guillotines, là. Bon, il a autant de chance avec ses dynamo points que moi avec la guillotine. Hop. Alors. Je sais pas à quoi ça servait de couper Starvust. On va voir. Tac. Alors. Allez, c'est Slave. Syncropène. Des ondes mystérieuses blessent tous les Pokémon aux alentours qui ont le même type que le lanceur. Putain, je connaissais pas ça. Hop, de toute façon, on s'en fout, on va pas l'utiliser en combat. À la limite, en Pokémon Sacrifice, il faut le faire à un moment, mais... Oh, pardon. Vache. La plaque glace, bon, ok. Si on chope un Arceus, on pourra le mettre de type glace. Ce qui serait une mauvaise chose, vu que le type glace est le pire type du jeu, mais... Enfin, défensif, en tout cas. Mais on pourrait le faire. Et ça, c'est beau. Ok, il y a une belle là-dedans. J'y suis allé par... Je
Je sais même pas pourquoi j'y suis allé. Alors, faut remonter là. Attendez, mais il me semblait qu'il y avait un mec avec qui on pouvait faire des échanges. Il est où? Où il est? Où il est? Ah, il est là. Hop. Une Pokéball contre une Super Ball. Eh ben allez. C'est parfait. Tac. Qu'est-ce que je fous là? Ok, encore une orbe vie. L'orbe vie, c'est bien, mais le problème, c'est que ça enlève 10% des HP de mes Pokémon à chaque attaque. Ça fait que ça peut très vite se retourner contre moi. Surtout quand j'ai que 3 Pokémon. Quand j'en aurai plus, on pourra faire autrement, mais on pourra les mettre, mais tant que j'ai que 3 Pokémon, je prends pas le risque. C'est un coup à mourir bêtement. Alors, route 20. On doit trouver les vilains de la team machin, la team plasma. Hop. Alors, toi aussi tu les cherches sur la route 20? Ouais, je les cherche, ouais. Je les cherche bien là. Hop. Merci bien, toi et ton équipe, vous êtes doués d'ailleurs. C'est Goya, ouais, on s'en fout. Ton équipe n'a pas l'air au top. Ah, on va se reposer. Ok, bah là, elle me soigne. Il me semblait que la dernière fois, elle m'avait pas soigné. Je sais pas pourquoi. Ils ont probablement pas vu des mecs de la team. Hein. Hop. Salut. Je déteste les gens trop collants. Je vais t'éclater la gueule, mon grand. C'est tout ce que je peux te dire. Enfin, ma grande, plutôt, du coup, mais... Suribou. Alors, je sais pas pourquoi. Bizarrement, Suribou, ça me fait un peu peur. Pourtant, y a pas de raison, à la base, hein, mais... Oh! Mais non, ça me fait pas peur du tout. La guillotine, elle passe du premier coup! Mais c'est bon, ça! C'est bon! Hop! Ça, c'est fait. Merci, au revoir! Va te coucher! Seule solution est la mer. Bref, la fuite, la solution à tout. Adieu, onde sur mer. Ok, bon. La fuite, c'est pas leur entraînement spécial, c'est loser. Oh la vache. Oh, dans la cour de récré, il ferait un tabac, lui. Mais bon, on sait qu'ils ont un bateau quelque part. Vu que le plus gros port du coin, c'est Velocity, il faudrait chercher par là. Entrons onde sur mer, faut trouver un endroit où embarquer. Lui, il a vraiment envie de se les faire, par contre. Hein. Hop. Tac. Il a envie de les tabasser, les mecs de la team. Hein. Ça peut se comprendre hein, en même temps, mais... Tac. Hop. C'est pas très intéressant hein, ce qu'ils ont à nous dire, ces PNJ. Hop. Alors, là. T'étais pas mal dans ton film, tu sais. Tu l'as vu? Ah, ce film. Mais je n'ai pas été retenu pour jouer Rioluman, en fin de compte. Ma prestation n'a pas enthousiasmé les foules, apparemment. Hey, te laisse pas abattre! Tu essaieras encore une fois en continuant ton métier de capitaine. Si tu fais ton boulot sérieusement, tu es libre de faire ce que tu veux à côté. C'est quand même l'ado roqueuse, métalleuse, tout ce que tu veux, là, un peu en marge de la société qui dit son père de se mettre au boulot. Et puis, t'es sûr de savoir ce que les gens pensent du Pokéwood? Ah, tu les as vus, la Team Plasma s'est fait la malle, on dirait. Je respire pas complètement, mais c'est bien du. Ça fait du bien de voir qu'ils ont disparu. Bon, les choses ont peut-être. Enfin, les choses ont été un peu rock'n'roll, mais tu peux prendre le bateau maintenant. Ok, je vais prendre le bateau. Bien, je vais persévérer dans mon métier actuel. Les foules seront dans tous leurs états avec les roulis des vagues furieuses.
En gros, il est en train de dire que c'est pas un bon moment pour prendre la mer, hein. Tu vas à Velocité? Oui! Tu vas retrouver la Team Plasma et leur botter le train, c'est ça le type? Non! Allez, Capitaine, montrez-nous ce que ce bateau dont vous êtes si fier. Entendu, si vous voulez bien me suivre. J'ai pas payé mon ticket, mais faut pas lui dire. Hop. Alors. Il y a une chose laquelle je suis assez, sur laquelle je suis assez content, c'est qu'on ne m'entend plus respirer dans mon micro. Sauf si je fais ça, évidemment, mais de façon générale, j'ai réussi à la régler correctement. C'est plutôt bien. Bienvenue à Vélucité. Nous espérons que vous avez fait une agréable traversée en notre compagnie et que vous n'avez pas payé votre billet. Alors c'est ça, Vélucité? C'est encore plus grand que je ne le pensais, mais on s'en fiche. La Team Plasma peut se cacher où elle veut, elle m'échappera pas. Capi, au fait, faut s'arranger dans le s'enregistrer dans le Vokit. Faut s'arranger dans le Vokit, non, ça c'est enregistré. Sinon, on se retrouvera pas. C'est plus pavillonnais, pavonnais ici. Putain, je vais pas y arriver, c'est incroyable. Je sais pas lire à haute voix, c'est terrible. Quel drôle de bateau, un voilier de nos jours? Ce sera-t-il pas le voilier de la Team Plasma, ça? Beparma, je sais pas du tout ce que c'est, mais. On va la mettre dans notre sac. Hop. Ok, bon, bah le voilier, hein, apparemment, il est là, c'est cool. Bienvenue à Velocité et à son rallye découverte. C'est la première fois que tu mets les pieds en ville? Bien, tout ira comme sur des roulettes avec cette bicyclette. Les règles du rallye découverte sont simples comme bonjour. Il suffit d'adresser la parole au bouffon d'un lieu désigné. Et tu participes seulement si tu as envie. Et bah alors je me casse. J'ai pas envie de parler à des bouffons. Enfin, des gens. Enfin, bon, j'ai pas envie de faire cette merde, quoi. Paysages de rêve et combats palpitants sont au menu au bord de la croisière de l'étoile du Nice. Embarquer ne vous coûtera que 1000 dollars. Vous ferez l'honneur de faire cette performance. Allez, on embarque. On a besoin d'XP, donc j'embarque. Alors. Merci de votre présence à bord de l'étoile de Nice. Nous avons aujourd'hui à bord des dresseurs au nombre de 4. Profitez de la croisière. Bien en profiter de cette croisière si on la passe notre temps si on passe notre temps à se battre. Hein. Alors, dans les cabines au porte-billets, il semble que nous avons deux dresseurs aujourd'hui. Hop. Le premier coup de sirène veut dire bonjour, ravi de vous voir parmi nous, et le second, encore un jour parfait de beau temps. La troisième et quatrième disent, j'espère que vous apprécierez le voyage. Et la cinquième, merci pour tout. Si tu t'imagines que c'est le bateau qui te parle, la sirène est plus supportable. Mais qu'est-ce qu'elle est. Ok. Ok, non mais. D'accord. D'accord, avec plaisir. Là, elle est cinglée. Hop, faut juste que j'aille vite fait sur mon studio vidéo, là. Que je check un petit truc. Voilà. Ah bah c'est mieux, j'ai. Alors. Hop, tac 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 tac. Oh le petit bruit là, la petite sirène qui me fait là, c'est cool. Alors. Tu tombes à pic, papa et maman sont sur le pont et moi je m'ennuie. Ah, premier dresseur. On va lui refaire l'arrêt à Greg. Ouh, il a déflaisant. Ça pourrait être handicapant suivant ses attaques, hein. Faut faire gaffe. Niveau 19 aussi. C'est à relever. La mointe, oui, non mais bien sûr. Allez, les guillotines, on va spam jusqu'à espérer que ça passe. Oula, essorage, c'est type ténèbres ça. Alors, on va pas spam jusqu'à ton guillotine passe, mais. Bon, c'est passé, mais. On va se calmer. 1226 d'XP? C'est honnête. Oh, préscience. C'est dommage.
Hop, pour crocodile, on va rester et on va switch. Croc horrible. Pourquoi crocodile? Croc horrible. On va switch sur Slim. Hop. On l'envoie se battre. Kuba. Parfait, ça ne marche pas du coup. En vrai, je pense que j'aurais dû faire Darnuée. Amnésie. Très bien. Alors là, il me fait un petit coup bas, les Darnuées pleuvent. Putain, il a touché que deux fois, mais non. C'est horrible. Mais c'est qu'il va réussir à me battre, hein, presque. Hein. Ah, mais il faut faire attention. Hein. Hop. Niveau 24, très bien. Bulle de boule, qu'est-ce que c'est que ça? Le lanceur se roule en boule et écrase l'ennemi, puis aussi apeuré. Eh ben, c'est de type insecte, on va y mettre à la place de Darnuée, ce sera mieux. Hein. Hop. Et Shadow qui passe niveau 21. On va bientôt avoir droit à l'évolution de Shadow. Hein. Hop. Alors, faut juste que je trouve la personne qui me soigne dans ce bateau, parce que... Hop. Alors. Ouais, on s'en fout. Putain, j'arrive pas. Je cherche le. Un healer, mais. Ma tension a tel le niveau que je suis déchaîné à fond et ensuite ils m'ont enfermé ici. Je serai sage maintenant, alors laisse-moi sortir. Non, tu ne sortiras pas. Hop, le sac. Faut qu'on utilise des soins. Ok, j'ai 7 potions. Hop. Et voilà, bon, on va être bien. On va faire le tour un peu partout, on verra bien. Mais je t'en prie, assieds-toi, tu prendras une tasse de thé. C'est bien la moindre des choses qu'un gentleman puisse proposer à un visiteur. Oublie donc les combats et relaxe-toi un moment. Tu préfères thé, café, sans moi, Starom, blablabla. Ah, c'était sympathique, reviens me voir quand tu veux. J'ai passé un excellent moment, à très bientôt, j'espère. C'est non? C'est clairement non. Tu m'as servi à rien, mon vieux. Hop. Hop. Putain, mais ils sont chiants. Hop. J'ai lu en diagonale et j'aurais sûrement pas dû, mais ce que j'ai lu, c'est qu'elle disait qu'il y avait trop de gens qui rentraient dans sa cabine pour jouer avec elle. Et voilà quoi. Pokémon. Hop. Sur ce bateau, il y a des gens de Kanto, Sinnoh, Johto. Du coup, on profite simplement du paysage pour rencontrer des Pokémon rares. Oui, mais je m'en fous. Putain de merde, je m'en fous. Hop. Est-ce qu'il y a des gens là-haut? Attends, ça veut dire que c'est chronométré, ça? Allez, combat. Ok, oui, je suis là pour toi, c'est parfait. Allez, go, go, go. Qu'est-ce qu'elle a dans son équipe? Dracos. Je peux le battre. Il faut juste que je sache ce que fait ma force nature, là. Triple attaque, ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai pas trop compris comment ça marchait, mais j'ai l'impression que quand on est en intérieur, c'est triple attaque. En extérieur, dans les herbes, c'est... C'est... comment? C'est balle graine.
Et dans les grottes, ça doit être autre chose, et au-dessus de l'eau, ça doit être autre chose aussi. Hop, la brûlure devrait le tuer. Piège de roc, Mimiqueux. Hop, voilà. Hop. Et Ronflex. On va tenter un coup croix, mais je suis pas sûr que Natu soit le meilleur. Sable volant. Ok. Soit le meilleur Pokémon pour faire coup croix sur un Ronflex, mais bon. Hop. Oh merde. Oh la pute! Encore un coup critique! Non mais au bout d'un moment, c'est chiant! Ah putain! Mais c'est honteux! Ah bah ça a pas marché, j'ai voulu faire le c'est honteux, mais tant pis. Ouais, c'est le terrain, mais je sais pas comment il change, enfin, quelles attaques font avec le terrain, quoi. Le terrain intérieur normal, c'est triple attaque. Le terrain avec les herbes, c'est balle graine. Mais c'est après le reste, je sais pas quoi. Hop. Putain, mais ça me fait chier. Le coup critique plus la tempête de sable. Hop. Par contre, il n'y a personne pour me heal dans ce bateau, c'est incroyable. Ah ok, bon bah de toute façon j'aurais pas le temps de faire plus. Je savais pas que c'était chronométré, j'ai pris mon temps. Hop. Bon, on va voir si je peux en refaire un, comme ça j'essaye de speedrun un peu les dresseurs. Oh, t'es qui toi encore? C'est pour soigner votre équipe? Oh, je suis désolé. Connaissez-vous Géonet? Non. Mais je m'en fous! Je veux pas! Laissez-moi jouer! Il me semble que dans ce centre Pokémon, t'as moyen d'avoir une Master Ball. À un certain moment. Je sais pas quand, mais il me semble que c'est ici. Je crois que c'est lui qui nous la donne, mais... Mais... Je saurais pas dire, je saurais pas affirmer avec certitude. Hop. Ah, la croisière est terminée. Bon. Eh bah, on verra demain. Hop, on va se balader un peu. Tu veux entraîner ton équipe, il doit y avoir des dresseurs dans les égouts. Bah laisse-moi aller dans les égouts, blaireau. Levez le pouce en fermant le reste de la main, ça veut dire ok. Ou pour faire du stop, ouais. Il me fatigue un peu. Il me fatigue un peu beaucoup même. Alors, sauvegarder. Parce qu'une petite sauvegarde de temps en temps, ça fait pas de mal. Hop. Faudrait que je change l'emplacement de ma webcam quand même. Hein. Faut que je trouve mieux. Hop. En tout cas, le fond vert est nickel. Là, je suis assez content. C'est plutôt bon. Je vois pas de petites particules vertes. Rien de tout ça. C'est très très bien. Hop. Pas la bonne touche. C'est pas la bonne touche. Enregistrer. Et utiliser. Paf. Et bah voilà, on va pouvoir se déplacer un peu. Oh non, oh non, oh non, j'ai faim. Il me semble que la reine, elle est dans ce truc-là. Hop, la reine, là. Oh, le champion! Il est parti à toute vitesse en disant une erreur, je m'appelle, va le chercher si tu veux. Mince alors, t'es là.
Oh, mademoiselle Iris. Ah, vous savez, effectivement, Artie est absent. Flûte! Artie est jamais là quand on veut le voir. C'est un artiste. Dès qu'il est en panne d'inspiration, il disparaît de son arène. Mais la Team Plasma, elle a disparu il y a 2 ans. Comment ça, non? Bah, si tu as des soucis, je peux t'aider. Un endroit où se cacheraient des gens louches. Les égouts, pardi. Misère, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je crois qu'elle a tourné au coin pour se rendre au centre Pokémon. Il faudrait prendre la rue qui se ceinture. Laissez-moi aller aux égouts. Là, on va clairement pas être là pour faire l'histoire de ce jeu. Elle est tellement lente. J'en suis désolé, mais... Pouah. Beaucoup trop lent, ce jeu. Mais arrête! Tu me parles trop. J'ai envie de jouer avec toi, le jeu. J'ai pas envie de discuter en permanence. L'histoire, en vrai, elle est super sympa à la base, mais elle est trop lente. T'as vu la Team Plasma? Non. Ah, ils sont où, ces sales voleurs? Bon, il faut essayer de les retrouver, Capi. Tu vas me filer un coup de main? Je peux pas dire non. Putain de jeu. Les égouts, c'est vraiment idéal pour se cacher. On sent que c'est une fille de la jungle, un peu, quand même, Iris. Hein. Capi, bon, tu vas me filer un coup de main? Putain, mais va te faire enculer! Me farcir ces sales types tout seul, ça m'excite pas des masses. Et surtout, t'inquiète, les Pokémon, c'est moi qui les soignerai. Ça te va, dit Capi? Oui, ça me va. Putain. Bon, on va capturer un Pokémon. Aucun des deux ne m'intéresse. Donc, on n'en capturera aucun des deux. Forcément. Mais... Tac. Par contre, s'il nous soigne, ça va être un bon moment pour XP, ça. Surtout si on a des Pokémon comme ça, ça doit rapporter quand même pas mal. Ok, ça rapporte rien du tout. Et lui, il prépare piquer. On va lui faire un petit coup croix. On va lui mettre dans les chansives. Tac. Voilà. Niveau 22. L'évolution est proche. Ouais, Lumivol et Cyderella, bon. Il n'y a pas de Pokémon qui m'intéresse là-dedans. Hein. Hop. Alors, on est dans les égouts. Qu'est-ce que ça va faire, Force Nature? Ok, lui fait Giga Impact, pas étonnant. Triple attaque, ok, bon. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de diversité, mais bon, c'est vrai que le terrain n'a pas trop changé, quoi. Hop. Hop, griffe acier, très très bien. Il m'attaque même pas moi, c'est parfait. Ok, il refait Giga Impact, lui. Hop. Faudrait que je rechange les règles aussi parce que j'ai pas remis à jour. J'ai pas fait grand chose au niveau de l'interface, c'est pas bien. Enfin du HUD plutôt du HUD. Alors je tiens à dire que ce Megapagos est un shiny legit. Et je n'ai pas activé le cheat code pour avoir le shiny. Donc il est 100% legit. Voilà, voilà. Parce que si j'avais activé le cheat code, les deux seraient shiny. Donc, d'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu étonnant, mais c'est pas mal. Hop.
Je vais peut-être le capturer et je l'appelle Legit. Air glaciaire. Heureusement qu'Air Glaciaire est pas si puissante que ça comme attaque, hein. Hop, on va switch. Envoyer Skytre. Oh putain, Piétisole. Oh merde, il va m'éclater. Il m'a éclaté. Hop, on va le capturer, l'appeler Legit, du coup. Même si on l'utilise pas, au moins on l'aura, quoi. Hop. Parfait. Ce sera un Pokémon de réserve, on va dire, s'il y a besoin un moment ou un truc comme ça. Ses bras puissants serrent ses proies jusqu'à l'évanouissement. Il les dévore, j'ai pas suivi. Tac. Alors, bienvenue à toi, Legit. Je connais plus mon alphabet. Hop. Alors là. Tac, tac. Pouf et paf. On reprend. Un bouton fuite. C'est pas comme si on en avait quelque chose à faire en soi, mais on a un bouton fuite. Ah. Alors celui-là, je dois le capturer. C'est... Je n'ai pas le choix. C'est... Il n'y a pas de choix, en fait, pour cette capture. C'est une obligation. Le Chartor, je dois l'avoir. Garde large. Ok, très bien. Garde large. Hein. Oh non, attaque pas Chartor, putain. Hop. Pouf. Point poison, redoudou, et bah dis donc. Allez, allez, allez. Ne meurs pas. Tiens le coup. Très bien. Hop. On va carrément mettre la Super Bowl là. Hein. Hop. Alors. Donc, mon PC. Faut que je retrouve le gif de Chartor. Comment il s'appelle en anglais, Chartor, c'est pas... Crow quelque chose, non? Non, visiblement non. Je vais regarder vite fait sur internet comment il s'appelle. Hop. Chartor. Hop. Si, c'est Torkoal. Oui, mais oui, bien sûr. Putain, je savais que c'était un truc comme ça, mais je cherchais Charcoal ou un truc comme ça. Hop. Torkoal, où est-ce que tu es dans mon dossier? Attends, me dites pas que je ne l'ai pas. C'est pas croyable. Donc je n'ai pas Chartor. Je n'ai vraiment pas Chartor. C'est terrible. Ah mais si, je l'ai. Putain, mais
Je cherchais Chamallow pour sa ligne évolutive. C'est débile. Hop! Les données sont ajoutées au Pokédex. Il tire son énergie du charbon qu'il brûle dans sa carapace et crache la suie noire en cas de danger. Hop! Alors. Tac. C'est directement. Là, je me rappelle pas si son pseudo il y a. S'il y a A-I-N. Hop! Voilà! Eh bah, on a Udvain dans la team à partir de maintenant. Hop, un instant, j'ai perdu quelque chose dans les parages. Attendez que je l'ai retrouvé si je ne veux pas qu'on se marche dessus. Quel enfoiré. Hop. Alors. Chauve-sourire et ok. C'est deux Pokémon qui évoluent au bonheur, il me semble, hein. Autant dire qu'on va pas les capturer. Hop. Ok, Giga Impact, ça fait du dégât, c'est bien. Boum. Ouf. On se sort pas mal. Tac et tac. J'ai hâte de voir en quoi il va évoluer notre petite nature. Hop. Bon, en vrai, c'est pas en restant là qu'il va évoluer, par contre. On a capturé le Pokémon. Hop. Hey! Vous croyez où, là? Team Plasma, ça va être votre fête. Quoi? Des menaces? Ça va, je vais t'apprendre la politesse. Personne ne nous empêchera de libérer des Pokémon. La ferme, sale voleur, petits escrocs! En plus, vous utilisez les Pokémon comme des objets! Ah, il est enragé, lui! Pour la peine, filez-nous vos Pokémon! Capi, on les explose! Bah, ouais, on va leur péter la gueule, quoi! Hop! Krelf, girafe, farigue. On sent tout de suite quel Pokémon va être le plus dangereux. Hop. Alors. Paf, Giga Impact. Je crois qu'il connaît que ce move en truc offensif. Ça fait zéro. Oh non. Moi, j'appelle ça une bonne survie à un HP. Allez, on va envoyer Udvain pour son premier combat, voir un peu ses attaques. Hop. Ouh, éboulement, ça peut faire mal, ça. Hein. Aura sphère aussi, d'ailleurs. Hop, alors. On a le Udvain jackpot. Ah, bien joué, mec. Enfin, termine la vaisselle. Hop. Tac. On va changer. Bon, on mettra legit au PC après, hein. Hop. Tac. J'en reviens pas d'avoir eu un shiny legit quand même comme ça. Bah c'est un dresseur qui l'a, hein, mais oui, c'est crève dans les égouts, quoi. C'est un mec de la team Plasma, il l'a chopé, il l'a piqué à quelqu'un.
Par contre, je tape pas très fort encore, hein. Hop. Là. Je commence à en avoir marre de perdre. Les Pokémon volés ne valent rien. Le mec, il a volé Krelf, quoi. Saleté de mioche. Baf. On a déjà fait le plein de Pokémon. On peut jouer les filles, les filles de l'air. Plus rapide qu'un attentif pour s'enfuir. Bon. Faut chercher plus profond. Je suis sûr qu'ils ont des complices. Vous pouvez vous épargner cette peine. Arty, très bien. Eh, hey, vous êtes Arty, le champion. Ouais, expression totalement inconnue, hein, c'est... quel œil. Ouais, c'est bien moi, le seul et l'unique Arty. Et il n'y a pas plus la trace d'un malfaisant en ce lieu que de noir. Sur un monochrome blanc. C'est terrible. Enfin, franchement, il s'exprime vraiment d'une manière terrible. Hein. Je supporte pas la façon dont il s'exprime. Et en plus, avec les pauses que ça me fait faire, c'est horrible. Il n'y a pas plus de méchant là-dedans que de noir sur un monochrome blanc. Mais mec, ça ne veut rien dire. T'es un blaireau, Arty. Hey, toi. C'est Iris? Ah non, c'est Nikolai. J'ai pu admirer ton combat contre la Team Plasma. Tu as sublimé le potentiel de ton équipe. Impressionnant. Non, je dirais stupéfiant et intrigant. Voilà qui donne à réfléchir. Ouais. Qui était-ce? Peu importe, le mystère a son charme. Que comptes-tu faire? Tu peux rester pour entraîner ton équipe. Ou venir me défier à l'arène selon ce qui t'amuse. Au plaisir. On va entraîner gentiment l'équipe, un peu vite fait, à l'arrache, mais si on peut, on va voir. Chemin enfoui, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va voir, hein. Oui, encore une fois que... Non, mais pas mal. Pas mal. Oui, Articodin cogne, évidemment, ouais. C'est vrai que quand tu penses à un oiseau de glace, le premier truc que t'imagines, c'est un mec qui vient de casser la gueule au coin de la rue, quoi. Putain. Allez, guillotine, faut que ça passe. Il devrait tenir, j'espère. Ouais, non, il tient pas, c'était sûr, en fait. Aïe. Articodin, du coup, dans le chemin enfoui derrière les égouts. C'est, je pense, sa meilleure place. Hop. C'est vrai que les stats de Natus sont assez ridicules. Hein. Bon, après, il s'est pris un change éclair d'un légendaire, hein, là, mais... Hop. Bon, par contre, Charter Acrobatie, ça me fume vraiment. Hein, Hop. Là. Je m'en cogne. Tac. Très bien, bon. Hop. Ça rapporte quand même... Ça rapporte quand même de l'XP, hein, ce petit bordel, là. J'ai pas de rappel. Oui, non, forcément. Bon, bah, je vais sortir... Tac. Faible au ball, tout ça pour ça. Ok. Scientifique louche, hein, qui traîne dans les égouts. Un Kyunotor! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des Kyunotors. D'ailleurs, ça me fait penser, au mois de novembre, on va en voir du Kyunotor. Hein. On va en voir pas mal, hein, parce que... On va quand même faire l'aventure Diamant Étincelant. Hein. Hop. Donc du Kyunotor.
Ça va être présent, hein, moi je vous le dis. D'accord, je me fais agresser dans les escaliers là. Hein. Hop. Ouf, de Dieu. Oh mais non, mais redescends pas, blaireau. Hop. Becky One. On dirait bien que c'est là que Velocity trouve ses origines. Allez, on voit ce qu'on peut se trouver ici comme Pokémon. On va pas passer trop de temps, hein, mais... Visiblement, il n'y en a pas. C'est quoi ce délire? Ah si, c'est bon. Oh, le sprite de Medienna, il est dégueulasse! En shiny, en tout cas. Enfin, non, c'est son visage qui est horrible. Et j'ai pas vu, c'est Medienna qui a des buts calmes. J'allais dire, on pourrait peut-être le capturer, mais pas du tout, en fait. Ok, c'est Medienna qui a des buts calmes, lui, la fermeté, putain. Quelle horreur. Ah oui, c'est vrai que Skate réabsorbe eau. J'étais en mode, attends, pourquoi il y a eu absorbe eau qui a pop, mais... Ah là là. Oh la vache. Pourquoi je baille autant, putain, il est pas si tard. Hop. Alors, alors... J'ai hâte aussi de pouvoir faire Legend Arceus. J'ai peur que le jeu soit un pétard mouillé, mais d'un autre côté, je me dis, putain, c'est... Avoir du nouveau dans Pokémon, c'est bien aussi, quoi. Hop. C'est pas par là. Putain, c'est pas par là. Chauve-sourire, rien à branler. Hop, éclat de griffe. Tac. Bah putain, je pensais pas qu'il allait survivre. Je sais bien que Typhlosion, c'est pas mon meilleur Pokémon. Enfin, si, c'est mon meilleur, mais c'est pas le meilleur Pokémon qu'on puisse avoir, mais quand même. Hop. Un foulard vert. Quoi ça peut bien servir? Aucune idée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Lockpin. Lockpin, Lockpin, Lockpin. Qui a ciel gris? Le même talent que Rayquaza, quand même, hein, faut pas oublier. Ça fait chier. Hop. Golemastock, bon. Ça reste honnête. C'est là qui va avoir une capacité qui va m'enculer. Hop. Pourquoi j'ai fait cette attaque? C'est une bonne question. Fulmifère! Ah ouais! Il y a des chances que Typhlosion soit KO là. Hein. Ouf! Golemastock qui fait piquer! L'attaque piquée sur un Golemastock. Pas mal ça. Hop. Oh,
terrible de bâiller comme ça en permanence. Moi j'ai carp. Carp, carp, carp. Fuite. Alors. Est-ce qu'on n'aurait pas des repousses dans notre sac quand même? Parce que... J'ai pas l'impression. Objet à tenir augmente l'intelligence d'un Pokémon dans les concours. Les mots me manquent pour dire à quel point j'en ai rien à foutre. Hop, ok, on viendra ici plus tard. Beastball, mais... Oh, c'est pas un médecin, ça? Si c'est un médecin, ça peut m'arranger. Oh, Pablo! C'est l'infirmier Pablo! Hop, Bargantua. Hop, j'ai toujours... Enfin, je me dis toujours que c'est type ténèbres, ça, mais pas du tout, en fait. Et je viens de calculer un truc, c'est que repli, c'est exactement la même animation qu'exuviation, sauf qu'il y en a une le coquillage, il s'approche, et l'autre, le coquillage, il s'en va. Voilà. C'est ma découverte d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me follow pour plus de découvertes. Alors. Oh putain, il doit y avoir un événement ici. Je sais pas pourquoi je verrais bien Genesect ici à la base, mais... Mais j'ai bien peur que ce ne soit jamais le cas. Je vais mettre des expériences pour transformer le poison accumulé dans les égouts en substances curatives. Une fois le protocole assuré, nous pourrons produire des médicaments à partir des Pokémon poison. Bien, bien, les résultats du jour sont ordinaires. Tiens, pour la peine, je te donne la potion que j'ai obtenue. Pas sûr d'avoir envie de me soigner avec les égouts, hein. Hop. Alors, bonne vieille potion bien moisie, là. Acrogriffe. Ça fait quoi, déjà? Je crois que Acrogriffe, ça augmente ligotage et tout ça, mais je suis pas sûr. Hop, on va regarder ça. Ouais, ligotage et étreinte. Ok, ouais, bon. C'est... Franchement, c'est pas terrible, hein. Hop... Alors, attendez. Ah, mais oui, il faut que je fasse ça. J'ai un... Il y a un truc qui n'était pas prévu. Tac, voilà, ça devrait être mieux. Là, très bien, hop. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire. L'acrogriffe. La merde. Voilà. Tout ça pour faire cette blague, hein. Lockpin, on s'en branle. Hop. Il devrait me rester plus que 2-3 niveaux là par contre. Hop. Donc là, il va m'en rester plus qu'un ou deux. Oh, 337 quand même, hein. Grimace, non mais sérieusement. T'as pas été gâté avec ton Pokémon Shadow, hein. Ah, t'as pu arriver jusqu'ici. Si tu comptes aller plus loin, je t'avertis, c'est bourré de dresseurs. Tu m'affrontes pas? Putain, merde, j'ai fait mon l'aller-retour pour rien. Hop. Alors.
Donc, il n'y a aucun point commun entre tous les crashs, c'est juste des crashs random. Je pensais que ça. Ah putain, je coupe le son vite fait pour pas que ça vous explose les oreilles. Ça me broie les couilles. Ça me broie les couilles. D'une manière assez désagréable. Hop. Oh, mais j'avais plutôt tort du coup. Oh putain, faut que je rechope un genre tort. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Une fois, le crash me démotive un peu parce que faut que je fasse des sauvegardes plus régulièrement, mais j'y pense pas. C'est pas grave, faut vraiment que je mette en place l'autre émulateur et dès que ce sera bon, ça devrait aller mieux. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou sinon à demain et puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!